Salut les petits loups, aujourd'hui on joue à Hydro Thunder, un jeu que je dois retester puisque j'ai malencontreusement supprimé la vidéo. Et pour ce faire, je suis accompagné aujourd'hui de Zab Power. Bonjour Zab. Bonjour, bonjour à tous. Donc je suis bien content d'avoir mon petit Zab avec moi pour cette vidéo. Ça fait longtemps qu'on devait se voir, donc c'est mon invité aujourd'hui. Donc je vais le laisser jouer pendant que Midway s'affiche. Tiens, je te laisse la manette. Allez, c'est parti. Et donc du coup, le jeu avait eu une note moyen plus, si je me souviens bien. De mémoire, je crois que ça doit être aux alentours de 14. Assez Ouais. fun, mais... Je crois que ça ressemblait à 12, 13, 14, peut-être même 14. Ouais. Je suis même quasiment sûr que Ouais, c'était 14. ça devait être Voilà, c'est 14. ça. Donc on lui mettra peut-être 14. En attendant, je vais essayer de faire un petit focus. Voilà, donc c'est vraiment un petit test pour refaire la vidéo, parce que bon, c'était à 85 sur 239, si je me souviens bien. Voilà, par contre, je ne sais plus. Et puis du coup, ben, je te laisse lancer une petite partie. Ouais, attends, je regarde juste les... Le bouton? Ouais, pour être Alors sûr et oui, ils te certain. disent que le bouton C, haut, C droite, C bas, c'est pour changer. La caméra, le C gauche ne sert à rien. Accélérer avec le A et freiner avec... Bon, je pense que le B ne va pas Ouais. Et t'as servir. vu, amplifier, c'est-à-dire que c'est pour les virages, je pense. Et diriger gauche-droite, moi je le fais au stick. Oui, moi Voilà. aussi. Allez, c'est parti. Du coup, on peut jouer à 4 sur ce jeu uniquement si on a un expansion pack. En ce qui concerne le jeu à 2, c'est possible même sans expansion pack. Alors, est-ce que je vais Ouais, faire... mais facile, parce que même en Ouais, facile, j'ai ouais, fait une ouais, deuxième en ouais. jouant. Donc c'est le bouton Z pour utiliser le boost, sachant qu'on peut accumuler dans ce jeu plusieurs boosters. En fait, En partant, c'est le système de temps, ouais. c'est un système de secondes, c'est ça, ouais. Et puis du coup. Et du coup, ça veut dire que je sais pas si tu peux avoir Vas-y. la barre à fond, du coup. Oh, si, si, regarde à gauche, il y a fuel et je pense qu'il y a full du coup. E c'est pour empty et F c'est pour full. Si t'aimes pas cette vue, appuie sur Seba. Voilà, moi je joue avec ça. Ouais, Je sais pas toi. moi aussi je préfère Sinon, il ça, y voir a mieux un avec super le temps. arc-en-ciel. Je pense que dans la fontaine, si tu vas dans la chute Je d'eau, pense aussi, ça sent ouais, le ça sent bassin le là. Hein. raccourci là. Donc c'est Allez. un jeu, ouais, carrément. C'est un jeu qui a plein de raccourcis. Time extended! Ça me fait penser à un. Alors, je vais pas dire de bêtises, mais un Vas-y. petit, les systèmes de raccourcis un peu partout, ça fait comme Beetle Adventure aussi. Ah Où ouais, t'as carrément, plein, tu ouais. dois découvrir pas mal de. Hein. Exactement. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Oh. Hydro Thunder a un concurrent direct sur Nintendo 64, hein, forcément, c'est Wave Race. Wave Race qui a eu une énorme note, du coup, et qui a eu 20 sur 20, Et oui. puisque moi je le trouve parfait. J'ai pas trouvé de défaut à part le fait qu'il soit pas en français. On peut pas trop lui reprocher ça, puisque la distribution est quand même mondiale, donc voilà. Pour un jeu en anglais, c'est pas trop gênant. Donc du coup, la modélisation de l'eau dans ce jeu est moins belle que Wave Race. Cependant, le jeu Donc, reste quand même. il est Alors. vachement, il est quand même beau parce que regarde, là, je viens de sauter là et Ah, c'est pas mal. on voit le ciel dans l'eau là. Franchement, Ouais. c'est. Alors le jeu est sorti aussi sur Dreamcast, mais du coup il est un peu mieux forcément sur la Un machine peu plus puissante. fluide, Ouais. ouais. Ah, bravo Zab, je te félicite. Alors tout à l'heure je finis deuxième, est-ce que tu vas me battre? Et appuie sur Z hein, pour le boost, hein. Sinon tu Ah, vas. pourtant, oui, j'ai la barre. Sinon tu vas du coup gaspiller. Donc faut utiliser. Là, Faut pas hésiter à je l'utiliser avant. l'utilise là. Mais toi, j'étais un Putain, tu patron te fais là cramer sans. par un bateau de touriste. T'as la loose. Putain, il a un bateau de ouf Et pourtant, je l'autre. suis à fond là sur le boost. Regarde, tu vois l'aiguille qui diminue. Bah ouais, il Et est à fond. pourtant, putain, mais lui aussi, il est boosté Ouais, le ouais. bateau. Là. C'est Ou pas un alors, c'est bateau de ta vie. touriste, c'est un bateau de terroriste. C'est un truc de Tiens, fou. t'as beau. Oh Donc, le ouais, pont. Oh, j'ai dégommé un singe. Ouais, j'ai fait tout à l'heure aussi, c'est énorme. Tira dans le volcan aussi, c'est marrant. J'ai Ouais. malencontreusement, du coup, supprimé cette vidéo. Et du coup, il a Ah, fallu j'ai plus de ben, la boost. retourner. Donc, elle sort après la 239e, c'est comme ça, tant pis. Et Ah, voilà, c'est c'est raté. pareil. Ouah, ce délire. C'était exactement ce que je voulais faire. Putain, énorme. Alors, le but serait de faire quand même une vidéo qui dure, en comptant l'ardoise, moins de 15 minutes. Ouais. Ça me facilite vraiment le boulot sur YouTube. Parce que, avec ces fameuses tablettes de merde. Et bah du coup tu peux pas uploader au-delà de 15 minutes. D'accord. Mais ça c'est 15 minutes 1, non ça. Ouh, vas-y, accélère, Je suis à fond accélère. là, je suis à fond, mais je suis pas sûr que ce soit Tu très peux très utile de bien le finir faire. deuxième, troisième. Ah, Pas mal, c'est pas pas mal. mal. Bon, je prends la suite. Vas-y, je t'en prie. Attends, tu vas mettre ton score, tu peux en mettre Zab. Ah, ok. Z, Z, A, B, Allez, ça rentre. vas-y. Profites-en parce que. Ouais. Faut en profiter. Vite, Tant que vite, t'es vite, là. vite, 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 vite. En plus, on est bien, on est limite. Oh! Ah, c'est bien, c'est bien. Bon, t'as le temps, je pense. Il n'y a pas de mesure de temps, je pense. Non, mais bon.
des fois sur jeu d'arcade, ouais. Donc c'est un jeu quand même type arcade, avec des scores à faire. C'était bien justement dans les bornes d'arcade. Les time extended, là t'es dans les chiffres, donc puis le A et B sont à côté. C'est ça. Bah, c'est pour ça qu'il y a un... Zab. Mon blast, c'est ça, parce que sur les bornes d'arcade, généralement, c'est avant les chiffres, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Et tu finis premier avec des mecs qui ont fait 5 minutes. Oh, tu es vraiment meilleur. Hein. Ah. Bon, et ben du coup, ça va être à moi de faire la course cette fois-ci. Tu le drag, facile, ouais, faut. Ouais, ça va, facile. Faut débloquer des trucs en fait. Mine de rien. Je sais pas comment c'est débloqué. Est-ce que tu crois que tu peux. À part le système de boost, améliorer ton bateau. Non, je crois pas, hein, c'est juste les boosts, hein, y a pas. Regardez ce bateau là. Cette vedette. Alors, fini au niveau facile, les trois premiers circuits pour débloquer le reste, ouais, c'est ça. Donc, on débloquera rien dans la vidéo. On va juste faire un deuxième. C'est bon, l'hélico là qui passe au-dessus. Ah ouais, excellent. Ouais. Bah, j'avais peut-être dû le filmer finalement dans l'ancienne vidéo. Je sais plus ce qu'il y avait dedans. Ça remonte à tellement longtemps. Hydro, H. Juste après GoldenEye, ouais, ça fait 2 ans. Putain, j'avais kiffé le jeu, franchement, il est pas dégueu. Ah oui, il est bien, hein, ça fait partie des jeux de course sympa. Ah, c'est d'où ça note, hein, 14 ans. Hein. Ouais, carrément, ouais. Carrément. Puis moi, niveau graphique, je trouve la verrière. Là franchement, la verrière est pas mal, hein. Ouais, carrément. Puis tout à l'heure, franchement, je te dis, quand je suis descendu et quand je suis. J'ai sauté, on voyait le reflet du ciel dans l'eau, c'est franchement bien foutu pour la 64. Ouais, moi je trouve ça fluide. Hein. Ouais, c'est très fluide. Bla éclaté. Boss délire, là ça. Attends. Ouais, c'est bien Z hein, pour utiliser le boss. Ouais, mais. Là, t'as pas, et du coup, y a combien de tours, trop la sensation de vitesse dans le boost. Je sais pas combien il y a de tours. Je sais pas, je crois même. Oh. Et d'ailleurs, plus de tours sur celui-là. Je crois qu'on voit le bateau briller quand t'as. Hein. Quand t'es en train d'utiliser le boost. Ah, c'est bizarre. Ouais, sinon, mais je crois que j'ai le mirage. C'est pas évident de prendre ça là. Oui, ouais. 9 secondes là, c'est monstrueux. Là, je vois pas les raccourcis par contre dans celui-là. Ouais, non, je pense pas qu'il y ait beaucoup de raccourcis. Si c'était peut-être en utilisant une jump. C'est sympa avec le décor. Avec les. Tu viens d'envoyer un bateau dans les, ouais, là, dans les gradins là. Je suis déjà 5ème, ouais, c'est pas mal. Ah, bah tiens, je viens de doubler le bateau, t'aimais bien. J'étais hésité tout à l'heure. Parce que forcément, on a testé un tout petit peu le jeu avant de filmer. Histoire de savoir retomber sur nos pattes, qu'on sache de quoi on parle. Et finalement, Migo, il nous fout un bon petit jeu là. C'est sympa. C'est sympa. Puis bah, tu veux que je te laisse parler de l'estime. De l'estime. Alors, celui-là, on en parlera plutôt à la fin. À l'ardoise. Ouais. Moi de base, on en reparlera aussi là-bas un peu plus concrètement, mais moi je pense que ce jeu en gros se comptait 8 euros. Ouais, je pense, ouais, 7-8 euros, c'est à peu près ce que j'aurais dit aussi. Ouais. 7-8 euros. Je sais plus exactement combien je l'ai. En boîte, si tu veux un bon état, il faut compter 30 euros quand même. Parce que j'y ai pas courant. Hein. En boîte, je le vois vraiment pas souvent. Hein. Non. Fini, putain, mais je suis premier. Oh. Oh oui, pas bien. Bon bah voilà, on va voir que je suis. Bon bah on la garde. C'est sûr qu'on la garde toujours. Je fais toujours qu'une seule prise. Zab, bah, je te dédicace ma victoire. Zab. Attends. T'es fort hein. Ah ouais, je suis trop fort. À la limite, est-ce qu'on a le temps de faire la dernière? Ouais, vas-y, ça passe, je pense, en vidéo, ça passe. Je te laisse faire la difficile. Circle, parce que du coup, on débloquera les autres courses si tu l'as fini. Ah, mais il faut finir toujours pour finir tous les deux. Ah, mais merde. Bon, bah, c'est perdu d'avance. Alors. Allez, vas-y, je te la laisse faire. Il nous reste encore quelques minutes. Oh, le bon sponsor en plus sur le bateau. Midway! Yeah! Arctic Circle! Un jeu super! Essaye de mettre la vue FPS pour moi, entre guillemets, avec CO, voilà. Juste pour rigoler. Comme ça. Histoire que. Oh, c'est moche. Téléspectateurs. Regarde le ciel dans l'eau. Eh ouais, il y a un reflet, ouais. Il est vachement beau le reflet. Oui, il y a quelques. Là, il est même plus beau. Le reflet est quand même. J'ai l'impression que le reflet est plus beau que le vrai. C'est ça. Bon, il change de vue, c'est horrible. Mais c'est horrible. Je suis même pas au jeu en plus. Ouais, un bon petit jeu sympa. Là, on est dans le coin de l'Arctique. Allez, boum. Et ouais. Bon, bah, c'est vraiment exceptionnel. Hein. Pour ce Hydro Thunder, il aura la chance d'être retesté. Ce n'est pas la vidéo originale, hein, si vous n'avez pas compris. La vidéo originale a été supprimée à cause d'une erreur de réseau. Heureusement que tu n'as pas supprimé d'autres vidéos. Ah ouais,
là, si j'avais parce que en retester certains, ouais. En retester d'autres. Carmageddon. Carmageddon. Cauchemargeddon. T'as vu, tu peux aller en face, il y a un raccourci. Ouais. À mon avis, j'ai peut-être pas assez de boost, je pense. Je sais pas, ouais. Je vais essayer au deuxième tour. Donc, ouais, cette vidéo est retestée et on essaie de mettre la même note. Je crois que c'était 14. Donc on va je suis sûr de mon coup. Bon, bah, on va mettre 14. On verra bien ce qu'on met. Regarde le ciel. Ouais, même le bateau. Le bateau et tout. Ouais. Pour se dire, le James Bay. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont plus travaillé sur les reflets de l'eau que sur les décors extérieurs. Ouais, c'est dingue, il est pas moche du tout. C'est dommage que tu peux pas mettre un chemin. Ouais, ça fait penser à Aero Gods, malheureusement il est pas si bien. Putain, j'avais eu du mal à le tester, je suis jamais si nul. J'arrivais pas à gagner, j'ai jamais gagné une course. Sur... Tu sais que je l'ai montré à ma conjointe, hein, Aero Gods. C'est dur, hein. C'est dur, hein. T'as réussi à jouer, toi? Non. Toi non plus, c'est dingue. Hein. Et c'est bien, c'était un niveau haut, t'es un niveau bas, tu volais, j'arrivais pas à jouer. Ah ouais, je sais, j'ai plus de fuel. Regarde le bateau de plaisance, le bateau de plaisance. C'est les gardes-côtes. Les mecs, ils sont trop chauds, quoi. Ils vont trop vite, d'ailleurs. Tiens. C'est un bateau pirate. C'était des pirates. J'ai pas fait attention. Il y a la nouvelle extension de Magic, c'est Ixalan. C'est du jeu Magic. Il y a des pirates et des dinos. Et il y a pas de sèche. Putain, les jumps de ouf, quand même. Blanc. T'es passé chaud là. 6. Bon, on est bientôt à 12 minutes. Donc on va pas tarder à passer. Vas-y, continue jusqu'à la fin quand même. Non, on va couper comme ça, on verra. On verra pas quand je vais finir lamentablement. Ouais, je pense que tu peux finir 3ème peut-être. Regarde, il y a des orques. Ah, mais... ouais, il y a des trucs. Il y a des petits détails qui sont sympas. Regarde, c'est un orc. Faut vraiment faire plusieurs fois les stages pour utiliser les raccourcis et optimiser le temps pour finir premier et faire des scores. Donc c'est un jeu finalement qui a de la réut, de la réutilisation à mort. Ah t'es 4 à 4, à 4 ça doit être quand même assez sympa. À 4 ça doit être sympa, ouais. Ah, 4ème, on aurait dû couper avant. Ouais, mais c'est très bien. C'est très bien. Du coup, on va vous laisser là. Et puis bah, nous, on va passer à l'ardoise pour la notation. Je suis sur Medzab. Allez, faisant, c'est parti. 3ème. Je vais encore finir premier. Pour le, et voilà. Pour le fun. Un peu voilà. Plus long ce circuit là. Ouais, 2 minutes 5, ouais, exact. Ou alors c'est moi qui étais vraiment très lent. Ouais, ils ont trippé par contre, 5 minutes 25, c'est vraiment pour que tu sois premier à chaque fois. Allez, nous on passe à l'ardoise, c'est parti. Bon, les enfants, nous voici à l'ardoise. Donc Hydro Thunder, finalement, on est tombé d'accord. Hein, tout à fait. On est tombé d'accord sur, déjà, l'estime 7-8 euros en loose, hein, ça se trouve. Bon, si vous le trouvez à 10 balles en cash, finalement, c'est pas une mauvaise affaire, parce que c'est un jeu qui est fun quand même. Ouais. 30 euros complet, c'est pour du bon état, on est d'accord. Hein. Ça va monter à 35-40 pour du très bon état du Nier. Après le mint, hein, vous me connaissez, c'est très bien que c'est très très cher. Donc intérêt scénario 3 sur 4, un bon jeu de course. Donc forcément, il a plus que deux. Ouais. Niveau graphique, 3 sur 4, Zab a adoré les reflets. Ouais, franchement, j'ai surkiffé les reflets, je les trouve mieux travaillés que les décors de base. Et ça, c'est relativement... Donc de bon graphisme. Niveau gameplay, finalement, à part changer la vue une ou deux fois et conduire de droite à gauche, il y a juste le boost. Y a pas grand chose niveau gameplay. Et encore, même en boost, là, t'as pas la sensation de vitesse quand même. Ouais, c'est vrai, c'est un peu arcade quoi. Ça glisse, le bateau glisse. C'est ça. Il a pas trop de problèmes de contraintes. C'est juste l'aiguille qui te dit que t'es en train de l'utiliser. Mais... Donc la bande son, 2,5 sur 4, à part les bruits des moteurs et quelques musiques de menu, y a pas énormément de choses à se mettre sous la dent. Cependant, durée de vie 3 sur 4, 3 championnats. C'est vrai que c'est pas évident de tout débloquer. Donc on arrive à une note finale de 14 sur 20. Ce qui me paraît complètement honnête. Donc voilà, on va vous laisser là-dessus. Puis nous, on va commencer à filmer des vidéos bonus. Et des vidéos de full set américain. Donc on vous laisse. Merci à toi Zab de m'accompagner. Mais de rien. Et puis à bientôt.